Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Incendio Coloriage. Aujourd'hui, je suis là pour faire une présentation du livre Vampire Romance Coloring Book de Jade Summers. C'est un nouveau livre, tout nouveau, je pense, à sortir le 5 décembre. Puis, c'est Zazu en couleur qui m'a parlé de ce livre-là, mais c'est évidemment, je ne pouvais pas m'en passer. Fait que ça vient d'arriver aujourd'hui, puis j'ai trop hâte de le regarder. Fait qu'on va le regarder ensemble. Il est beau. J'ai hâte de l'écran avec les dents de vampire. Oui, puis. Ouais. Le color test page, c'est des roses avec des ronds. Pas plus, ça. Il dit enregistrer vos médiums préférés ici. Et en fait, de pratique du blendage, c'est des roses. C'est original. C'est ça. Coloring challenge, c'est toutes sortes d'idées comme un couleur, serveur, juste d'une set de couleurs, les deux sets de couleurs, des couleurs chaudes, couleurs froides, etc. Ça donne des idées si jamais tu sais pas qui prendre comme couleur pour colorier. Puis là, c'est un journal de coloriage. Il demande note tes expériences avec ce livre, comme ça tu peux le regarder dans des années futures pour voir c'est quoi la meilleure partie d'être un vampire. C'est quoi la pire partie d'être un vampire? Est-ce que tu aimerais être un vampire ou un chasseur de vampires? Si tu étais célibataire puis tu rencontres un vampire, est-ce que tu voudrais être en relation avec? Quel nom tu donnerais à chaque personnage? Si ensuite à ce livre-là, qu'est-ce qui arriverait? C'est quoi tes scènes préférées et pourquoi? Et si on fait un autre livre de romance, romantique fantasy? Qu'est-ce que tu inclurais dedans? Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Ça serait comme une histoire d'amour. Fait qu'on va voir. C'est super, ce livre-là. De ce que j'ai vu, là. Je pense qu'il y a 46 images, je pense, si je m'abuse pas. C'est écrit en arrière. Oui. 46 Romantic Designs to Color. Illustration par Maëlie Taniguchi. Excuse-moi si j'ai massacré le nom, là. Je suis pas très bon avec ça. L'hôtel Madame qui sauve des chauves-souris vampires. Il vient pour la protéger. Je me demande si c'est le chef des vampires, ça. Petit fond noir avec des étoiles dans le ciel. Super, ça va être fun à colorier ce livre-là. Oh, elle est belle, ce portrait-là. Super. Oh, et dans son château à lui, c'est clair, hein? As-tu vu le crâne en haut, là? C'est un loup-garou au-dessus du foyer. Ça, j'imagine, ça va être une bouteille de sang. Celui qui est humain, je pense. Oh, ouais. Elle a l'air surpris du repas. Trop drôle. Il est enchanté par lui. Tu dois-tu rester prête, hein? Quand tu vois les gars que tu trouves, t'as un kick dessus, endormi dans le cercueil, à moins que t'aies une trip sur des vampires. J'adore faire des roses, ça va être fun à colorier, ça. Ça doit être un jour, puis elle arrive de passer la soirée avec, peut-être. Elle a des belles robes, c'est un bel portrait, ça. Ça va être fun à faire ce tissu-là. J'adore. Ça va être trop fun à colorier, ça. Mais je sais pas si je vais garder les personnages de la même couleur que je veux, mais peut-être ça, je suis pas encore décidée. Ah, elle est belle, celle-là, avec les roses, les pieds, super. Ah, ça, c'est l'espèce de Van Helsing, le chasseur de vampires. Il court après elle, mais il n'est pas un vampire, c'est un humain. Ah, il vient pour la protéger. J'aime ça, des fois, quand on voit avec la grosse aile. Hein? Là, il est fâché, il a peur pour elle.
Tu veux les éclairs, le fond, c'est wow. C'est écrit 18-12 sur la bouteille. Le gros loup-garou. Mais le loup, là, on ne sait pas si c'est garou. Ah, elle est cool, cette page-là. Super. Oh, c'est trop hâte. Check ça. Il se regarde dans le miroir, en voyant, mais lui, il n'est pas là parce que c'est un vampire et ils n'ont pas de réflexion. Trop hâte. Il doit demander au mariage. Mais elle a accepté. Ça, c'est leur mariage. C'est un style de mariage qu'ils font en certains pays, là. Ils attachent un mets ensemble. Là, ils mordent pour qu'elle devienne un vampire. Comme ça, ils ne perdront pas. Jamais. Là, c'est sûr, après, tu le mordes, elle est morte. Faut qu'il attend qu'elle se réveille en vampire. Oh, ok, belle. Elle va-tu être dans sa robe de mariage, je pense? Peut-être, hein? Oh, qui est belle en vampiresse, assise sur son trône, comme sa reine de vampire. Trop hâte. Trop, trop hâte. Oh, il l'amène voler avec ses ailes pour la première fois. Oui, on a le même symbole. Il donne son un collier comme lui. Trop hâte. Le petit goutte de sang qui déborde au bout d'un verre. Un bal masqué. C'est tous des vampires, gars. Ils ont toutes des dents. Excusez. Oh, j'aime celle-là. J'adore cette image-là. Ça, c'est une autre chasseuse de vampires. Parce qu'il garde elle a les pancartes Bounty. Oh, c'est belle cette image-là, je l'aime. Il y a sa petite canne pour marcher. Là, c'est une coupe. Est-ce qu'il va réussir à les tuer, tu penses? Nope. On dirait qu'il a arraché son arme ou qu'il rentre une puissance pour le contrôler. Mais je pense qu'il draine son essence de vie. Elle était magicienne, chasseur de vampires. Elle est toute fière d'elle. Sa robe est toute déchirée. Son genre aussi. Non! Il l'a tué. Ah oh, non! Un cœur brisé. Mais avec raison. Ça le va. Est-ce qu'il va régénérer ou il est vraiment mort, mort? C'est bon. Alors, il donne du sang pour essayer de les faire revenir à vie. Il est revenu. Elle a réussi à les ramener en vie. Trop beau. Là, ça, c'est des. Ça vient du Crown Animals. Christmas Countdown. Non, on n'a pas le Christmas Countdown en Canada. Stress Relief, c'est beau, ces oiseaux-là. Hey, Stained Glass Animals. Je sais que c'est coloriage par numéro aussi, mais je pense que c'est pas le numéro aussi. Donc, voilà pour le Vampire Romance Coloring Book de Jade Summer. Mais illustré par. Miley Taniguchi, je adore. Hyper content pour le livre. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses si tu penses de l'acheter. Là, juste de même, je suis pas sûr, mais je suis peut-être un fil rouge dedans. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses. On a encore le temps de décider nos fils rouges. Fait que j'attends de vos nouvelles dessus. Fait que là-dessus, moi, je te dis merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo-là, passé ce moment-là avec moi. J'attends vos réponses dans les commentaires en dessous. Ou un message privé si t'aimes mieux. J'ai un groupe Facebook et le lien va être toujours dans la description en dessous. Et moi, je te dis merci à tous mes abonnés anciens et nouvelles. Et si t'es pas abonné, mais t'aimes, qu'est-ce que j'ai fait?
N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça m'encourage à continuer à faire d'autres. Pogue là-dessus, moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!